À toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver et bien pour une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 20 mai 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. On continue avec l'oracle des énergies, la petite philosophie du matin et pour terminer, le message de ton âme. Donc voici, petite philosophie du matin, un moral de vainqueur. Après un échec, ne pas se décourager. Se répéter, ce n'est pas grave, je vais y arriver. S'accrocher et persévérer. Si d'autres y sont parvenus, on le peut aussi. Entretenir la confiance en soi avec, cette certitude. L'auto-persuasion, elle est fondamentale. Pour espérer gagner, il faut se convaincre qu'on en a la possibilité. Belle philosophie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai pigé la carte victoire à l'endroit, c'est une magnifique carte, cette carte victoire, c'est la réussite, l'accomplissement. Cette carte, c'est l'accomplissement pour certains d'entre vous qui pourraient être liés à une réussite soit extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé, n'est-ce pas, beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça peut être des efforts sur votre vie sentimentale, sur votre travail, donc professionnellement, familial, amical, personnel. Vous avez bien mérité cette victoire. Cette réussite, car pour certains d'entre vous, vous avez souffert et ça a été dur. Alors, cette carte, elle vient vous dire de savourer ce sentiment d'accomplissement. Mais attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers, n'est-ce pas? Les personnes s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Donc, ne baissez pas les bras, ne vous reposez pas sur vos acquis, n'est-ce pas? Et soyez maintenant ouvert à la victoire sur tous les plans. Quel beau message pour commencer cette semaine, n'est-ce pas? L'affirmation pour cette journée, j'accomplis des choses formidables en moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. Pour celles et ceux qui ont ramé pendant un certain temps, qui avaient fait un beau travail sur vous, c'est la réussite, la victoire, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers parce qu'il y a encore de belles choses à venir, donc à travailler. Donc n'oubliez pas, ça peut être sur le plan personnel, familial, professionnel, privé, amical, etc. Je termine, avec le message de ton âme et aujourd'hui j'ai pigé s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter? Alors,
Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Sa première intuition est toujours la bonne, n'est-ce pas? Dans n'importe quelle circonstance, c'est sa première intuition qui est bonne. Sa petite voix intérieure, notre petite voix intérieure, c'est... On devrait l'écouter beaucoup plus souvent, n'est-ce pas? Cette intuition que nous avons, parce que nous sommes des femmes et nous sommes dotées, en tant que femmes, nous sommes dotées de beaucoup d'intuition. Donc, il faut écouter son intuition. Eh bien, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.